Vierge et ascendant Vierge, voici votre horoscope pour ce mois de janvier 2024 avec tous mes vœux de bonne année, hein, et elle commence pas trop mal, hein, honnêtement, avec le soleil du Capricorne qui vous met un petit peu en vedette, hein. Le soleil, c'est comment on brille, comment on existe, comment on se fait remarquer. Et là, bon, il n'y a pas de souci, hein. Vous pourrez exister, vous affirmer, montrer quelles sont vos qualités, qu'est-ce qui fait qu'on vous aime et qu'on vous apprécie. Bon, souvent, c'est la qualité, hein, de votre travail qui fait qu'on vous remarque, qu'on vous apprécie, et bon, c'est aussi certainement votre art de la séduction qui va être mis en avant pendant cette période Capricorne. Après le 20, le Soleil va passer la porte du Verseau, en même temps que Pluton d'ailleurs, et c'est votre secteur du travail, de la vie quotidienne, de l'organisation qui va être au premier plan. Et alors, bon, avec ce Verseau, vous allez être extrêmement perfectionniste et je dirais même un petit peu trop, vous vous focaliserez sur les détails et je pense que ça vous prendra de l'énergie un peu inutilement. Pour ce qui est de Pluton, ce serait trop long à vous expliquer là, mais je vous engage à vous reporter à notre vidéo du 21 mars 2023 où je vous explique tout avec Zoé sur Pluton. Côté activité, alors Mars va être également très bien placé en ce qui vous concerne puisqu'elle rentre le 4 dans le signe ami du Capricorne où se trouve déjà le Soleil, hein. Donc si vous voulez, toutes vos actions, tout ce que vous allez entreprendre ce mois-ci ne peut qu'aboutir positivement dans la mesure où au moment où Mars rentre en Capricorne, elle est en bon aspect avec Saturne, donc hein, persévérance, vraiment volonté et détermination au maximum, et elle est également en bon aspect avec Jupiter, planète de chance, hein, et qui est en bon aspect, hein, avec votre premier décan. Donc, si vous êtes né au mois d'août, potentiellement le premier jour de septembre, ce Mars en Capricorne va être vraiment extrêmement chanceux. Vous pourriez faire de bonnes affaires, vous imposer aussi dans un comment dire, dans vos affaires, dans votre travail, être celui qui ou celle qui va attirer l'attention et avoir finalement des compliments, recevoir des compliments pour ce que vous faites. Et ce sera un petit peu tout le long du mois pour les autres décans, ce sera extrêmement positif, hein. N'hésitez pas à entreprendre, à aller de l'avant, à montrer ce dont vous êtes capable, ce que vous avez dans le ventre, parce que bon, ça vous réussira d'une certaine manière, ça vous vaudra des compliments de la part des autres. Alors, si vous avez des enfants, attention, il peut y avoir, hein, des petits conflits, mais bon, ça durera 2-3 jours, pas plus. Du côté des amours, alors avec Vénus qui vient de rentrer fin décembre en Sagittaire, c'est votre secteur 4, hein, donc et de plus elle est en dissonance avec Saturne les premiers jours du mois. Alors est-ce que vous vous retournez pas un petit peu sur le passé? On peut se poser la question, hein. Alors d'abord ceux du premier décan qui ont eu la dissonance de Saturne à peu près toute l'année, vous avez peut-être perdu l'amour de quelqu'un, ça n'est pas exclu. Donc, si vous voulez, disons que ça va un petit peu vous prendre la tête en début de mois. Mais bon, après, essayez de tourner la page. Avec Saturne, souvent, il faut tourner une page, hein, en tout cas si vous êtes du mois d'août. Après, bon, les autres vont certainement avoir besoin de se réfugier dans leur cocon, besoin d'être en famille. Disons que c'est ce qui vous fera le plus plaisir
hein, ce mois-ci, c'est d'être entouré sur le plan familial et d'être chez vous, dans votre maison, où vous allez peut-être faire des aménagements, vous faire un petit nid plus douillet. Après le 23, Vénus entrera en Capricorne et fera les mêmes bons aspects que Mars, donc vous serez vraiment, mis sur un piédestal, hein, ou alors vous mettrez quelqu'un que vous aimez sur un piédestal. Hein. Ce sera des bons moments à prévoir, hein, après le 23. Le 6, le 11, le 19 et le 24 seront les meilleurs jours de ce mois de janvier, dans la mesure où, bon, ce sont justement des journées où vous saurez vous faire remarquer et où vous serez un peu plus dans la séduction que d'habitude. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez. Et puis, bon, si vous voulez plus d'astro, d'abord vous avez nos lives du mardi et du vendredi, vous avez nos réseaux sociaux, vous avez le site, c'est l'astro.com, les consultations avec Zoé ou avec moi. Je vous souhaite un très bon mois de janvier.